Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Nord-Pas-de-Calais vous présente News d'experts. Les modes de financement des entreprises sont multiples, mais on distingue essentiellement deux modes de financement, les financements à court terme et les financements à long terme. Concernant les financements à court terme, nous avons bien sûr les découverts, les cessions de créances et le factor. Pour les financements à long terme, on a beaucoup plus de possibilités. On a bien sûr l'emprunt classique, bancaire, d'une durée de 5 à 7 ans. Puis après, nous avons d'autres types de prêts, tels que les prêts participatifs, tels que les obligations simples ou obligations convertibles. Et enfin, bien sûr, pour les sociétés, on a toujours la possibilité d'augmenter son capital. Il ne faut jamais hésiter à emprunter quand le banquier est prêt à vous suivre. C'est essentiel. Quand vous aurez des difficultés, il sera trop tard. Les coûts financiers actuels sont très bas. N'hésitez pas donc à emprunter, mais n'oubliez pas l'adage courant qui paie ses dettes s'enrichit. Vous avez besoin de financement, vous devrez donc faire appel à votre banque. Et votre banque, forcément, intégrera au moins deux aspects. Un aspect lié à vous et à votre entreprise, la confiance qu'il vous porte. Le deuxième aspect sera directement lié aux comptes annuels que vous allez produire et au bilan qui sera établi par votre expert comptable. De ces éléments-là va découler la capacité à générer donc de l'endettement et donc de pouvoir financer votre exploitation et votre activité et vos investissements. Vous avez des questions sur le financement de votre entreprise? Faites appel à votre expert comptable, il est là pour vous accompagner. News d'experts vous a été présenté par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Nord-Pas-de-Calais.